New King Julius style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Endzone World Apart. Alors à savoir que ce jeu est sorti de son accès anticipé le 18 mars 2021. Alors j'ai accès à la version définitive de ce jeu depuis un certain temps maintenant. Ce problème c'est qu'il y avait un petit embargo. Il était encore sous NDA, donc on ne pouvait pas présenter la version finale du jeu tout de suite. Nous, on est toujours sur la partie qu'on a commencée. Alors j'espère que malgré que la version finale soit sortie, ça n'impactera pas la partie qu'on a déjà commencée. Alors sachant que j'avais aussi tourné l'épisode 4, enfin en fait j'avais coupé l'épisode 3 en deux vu qu'il était beaucoup trop long. Et la deuxième partie, malheureusement, je l'ai effacée il y a de ça une semaine ou deux maintenant pour tourner l'épisode Dark. J'ai effacé, j'ai fait de la place dans mes fichiers. J'ai effacé malheureusement les fichiers de la vidéo alors que l'épisode il était tourné, il fallait plus que l'uploader. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'était passé. On avait installé notre petite station météorologique et ensuite on avait installé la station de recherche. J'avais commencé à lancer les petites recherches justement qu'on nous avait demandé. Je sais pas si on peut les voir ici. Ce qui serait bien, c'est que je puisse avoir accès au tableau des recherches, ouvrir la fenêtre des recherches. Voilà. Donc comme ça, je vais vous montrer. Alors ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas dézoomer. Franchement, si on peut dézoomer, j'aimerais bien pouvoir le trouver parce que là, pour le moment, je peux juste me déplacer avec ma petite souris. C'est bien chiant. Un petit dézoom aurait été pas plus mal. Donc là, il y a l'atelier amélioré. Qui serait formidable aussi. Nous, on s'était lancé justement, on devait apprendre les circuits. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui ensuite me donnait accès au capteur solaire. Sachant qu'en plus la station météorologique va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on arrivera en période de sécheresse ou quand est-ce qu'il y aura des tempêtes de sable afin qu'on puisse s'abriter. Et j'avais lancé ensuite, vu que ça s'était terminé, j'avais lancé une petite recherche. C'était pas au niveau des ressources. Je crois que c'est l'atelier de construction justement. La station météo, c'est bon. Je sais pas pourquoi il y en a qui apparaissent en vert. Si c'est ceux que j'ai déjà fait ou quoi. Mais normalement, un circuit électrique, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Normalement, c'est ce que j'y fais. Et là, normalement, je suis censé apprendre. Je suis censé apprendre autre chose. Et il me semblait que c'était justement l'atelier amélioré. Mais il n'est pas lancé. Alors, peut-être que ma sauvegarde n'a pas marché. Et que je me retrouve ici. On verra bien si c'est les circuits qui sont en train d'être appris ou non. Puisque là, pour le coup, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, écoutez, je sais pas. On va voir. En tout cas, on est là. Alors sachant aussi qu'Assembly Entertainment, depuis la sortie du jeu, alors je sais pas si c'est depuis la sortie du jeu, mais dernièrement ils ont reçu un petit diplôme le 11 mars parce qu'ils ont réussi à faire pousser 1395 arbres au Malawi. Et si vous voulez profiter aussi de ce petit jeu, il est en promo actuellement pour la sortie de l'accès anticipé. Il est à 15,59€ au lieu de 19 et quelques. Donc ce qui est plutôt pas mal, je vais remettre ma petite partie en route. Et puis on va essayer de savoir ce qui est en train d'être appris justement à la station de recherche. Si c'est bien ce que moi j'avais lancé ou c'est ce qu'il y avait après. Normalement le magasin de tailleur c'était bon, j'avais lancé l'atelier amélioré moi. Donc je sais pas si ça va être ça parce qu'on manque cruellement d'outils, donc je l'espère. On verra bien. Et puis on essaiera aussi de se découvrir les aspects... justement de la sortie de l'accès anticipé. Normalement il y aura aussi des petits... je vais arrêter l'activité de production parce que ça produit plus rien du tout. Je vais peut-être même le démolir. Je sais pas ce qu'il faut encore là, mais bon bref, il était présent. Donc normalement faut savoir aussi que ça va être un peu comme sur The Last Haven, un petit jeu que je vous avais présenté aussi avant. On risque de se faire attaquer par des pillards. Donc soit on peut déstabiliser leur structure ou du moins leur crew, tout ce que vous voulez. Et puis ils prendront la fuite, ou soit on peut les annihiler.
Sachant que je suis en train de perdre des petits villageois, ils sont en train de mourir, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils ont plus de masques, c'est ça. Attendez, j'ai du tissu. J'en produis 4. De toute façon, ça va falloir que je l'améliore aussi après. Hein. Je peux peut-être faire des masques au pire des cas ici à côté, vu que j'ai pas mal de charbon et de tissu. Et puis l'autre à côté, il va me produire des petits masques. Et on va voir si ça passe ou pas. Là, ils sont 154 et je venais d'en perdre, mais c'est remonté. Donc ici, bâtiment, capteur solaire, construit. Ok, il faut... Eh ben mon capteur solaire, il est ici. Ils sont sérieux ou quoi? Je l'ai fait justement, le capteur solaire. Il est en construction. Donc je vais pas le refaire. Je peux peut-être leur demander que ce soit la construction suivante. Et il me semble que là, les petits logos, ils ont changé par rapport à avant. Donc je vais mettre ça en top priorité, histoire que mon capteur solaire, justement, se fasse. Et qu'on puisse avoir accès à l'électricité. Ça va, les outils, ça réaugmente tranquillou. J'espère que ça va se stabiliser parce que la partie a été plutôt bien entamée. Donc le seul truc qui me manquait, c'était les outils. Là, ça a l'air d'aller. Je vais ralentir un petit peu histoire de... Je sais pas où on en est au niveau de la recherche. Les chercheurs rassemblent des connaissances tant qu'aucun projet de recherche n'a démarré. Ok, ok. Bah, normalement, ça a démarré, donc t'es bien gentil, mais... d'ailleurs, je peux peut-être voir au niveau de la populace. J'en ai 9 qui font rien. J'ai mis le jeu en pause, histoire qu'on les affecte. Les fermiers, ça devrait aller, je pense. Je sais pas si je peux en mettre encore en... Au niveau... En chercheur, j'ai mis le max. Logisticien, j'en ai 14. Je peux peut-être en ramasseur de débris. Au pire des cas, je me refais une autre usine. Hein. Je peux peut-être refaire une autre usine parce que ça raffine pas mal, là. De toute façon, il va falloir upgrade les bâtiments pour s'en sortir un peu mieux. Au niveau de la construction, je peux peut-être en rajouter 2. Tout ce qui est bouffe, c'est bon. C'est surtout au niveau de la prod, quoi. Mais je vais pas refaire un magasin de tailleur. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est à la rigueur que je refasse des petites... je vais peut-être refaire des centres de recyclage, au pire. Hein. Par contre, au niveau des débris, j'en ai pas des masses. Ce que je peux peut-être faire... C'est que je vais leur assigner des tâches et je vais faire des ramasseurs de débris. J'en ai un qui est ici. Modifier la zone d'activité. Bah ouais, c'est ce que je vais faire s'il n'y a plus grand chose ici. Là, ça fait peut-être un peu loin. Là, il n'y a pas beaucoup de débris. 65 si je viens là. Par contre, il faut que j'arrive à placer ça correctement. Et que ça passe. Là, j'en aurai 66. Et je vais les affecter ici pour le moment. Comme ça, les petits gaillards qui sont en train de rien faire, là, eh ben, ils vont aller me les chercher. Croque-mort, je pense que c'est bon. Je peux peut-être me mettre... je vais mettre 2 fermiers. Et il y en a 5 qui vont aller me ramasser des débris. Je vais remettre la petite partie en route. Ouais, au niveau des légumes, on est bien. C'est bien varié. Je crois même que c'est limite le maximum. Je sais pas si le maximum, ce serait 10. En tout cas, ça avance. Par contre, au niveau de la recherche, j'aimerais bien que ça... ça suive son cours assez rapidement. D'ailleurs, je peux peut-être refaire des routes. Je sais pas si j'ai une route qui vient jusqu'à la station météo. Faites voir ça. Construction, logistique, petite route. Ouais, donc j'ai bien une route qui vient jusqu'ici, mais pas jusqu'à l'autre bâtiment. Donc je vais me la faire filer jusqu'ici, comme ça. Comme ça, ils seront reliés. Et je vais même me faire filer une petite route qui va jusqu'au bâtiment derrière. Donc à savoir la station solaire. Comme ça, tout sera relié. Par contre, ici, c'est pas relié. Donc je sais pas si je m'éclate à faire ça comme ça. Mais ça me semblerait peut-être pas mal. Là, comme ça, ce sera fait. Par contre, ici, ouais, au centre, aux habitations et tout, c'est pas relié du tout. Je sais pas par où passer. Je peux peut-être longer le chemin comme ça. Et je vais partir sur toute la longueur. Je vais faire le tour même comme ça. Ce sera fait. Voilà, parfait. Là, je vais faire une route qui vient jusqu'ici. Je vais remettre ça devant. Là, je vais faire... des petits chemins.
De 3 par 3, enfin ouais, de 3 tout court, surtout de 3 par 1. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, ce sera pas centré, mais ils ont quand même un petit chemin. Ah, je suis en train de m'éclater, je vous raconte pas. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? La station, je crois que c'est tout. Hein. J'ai fait la station, ça c'est une certitude. Je sais pas si j'aurai la place de mettre une maison à côté, c'est ça le problème. Je vais vérifier de ce pas. Et si je peux pas. Si je peux pas remettre une petite cabane, ouais, elle serait en décalage. À moins que je la pivote. Ça passerait pas non plus. Faudrait que je la mette comme ceci. Et ça va pas me plaire du tout. C'est fort dommage. C'est bien dommage que je puisse pas la mettre pour trois pauvres petites cases, quoi. Après, je pourrais la mettre en décalage comme ça. Mais ça va bouffer le chemin derrière. À moins que je la retourne. Je peux peut-être la mettre là comme ça, hein, à la rigueur. Je vais la mettre là. Ok. The solar collector also gives us all the relevant information we need to keep an eye on our settlement's power consumption. Ok, donc le capteur solaire utilise la lumière du soleil pour produire de l'énergie et alimenter le réseau électrique. Le capteur solaire nous fournit également toutes les informations utiles sur notre infrastructure électrique. Bien. Each of your buildings automatically hook up to this power grid when you set up an electric power pole within the building's range. Buildings supplied with electricity work distinctly, more effectively, and produce faster as a result. What's more, housing supplied with electricity increases the confidence of the settlers who use it. Ah, ok, monsieur. Ah, je vais relier ça comme ça maintenant. Je sais pas s'il a fini de parler. Je vais aussi retirer un petit bout de route là. Voilà, merci bien. Donc, installer des poteaux électriques à proximité des bâtiments pour les relier automatiquement au réseau électrique. Les bâtiments de production alimentés sont plus efficaces et produisent donc plus rapidement. Les lieux de vie alimentés améliorent la confiance en soi de nos colons. Ok, donc là ils me disent. Alors j'ai mis le jeu en pause comme ça je suis tranquille. Peut-être que je clique là. Voilà, parfait. Là on voit qu'il n'y a absolument rien du tout qui est alimenté. Comme ça c'est réglé. Et là j'ai 5000. Ça fournit 5000. Je sais pas s'il va falloir en construire d'autres. Donc ouvrir la vue électrique, ça c'est fait. Relier des bâtiments au réseau électrique. Donc pour relier des bâtiments au réseau électrique, ça va être dans la station électrique. Ok. Je sais pas s'il faut que je mette ça par ici en premier lieu pour que ça le chope. Et je sais pas si après je passe par derrière. Sachant que j'aimerais venir autour de ma casse. Je peux peut-être passer par ici en premier lieu. Il y a quand même une petite distance à respecter. Je vais me mettre au maximum. Ça serait ici. Faut pas que ce soit trop dégueulasse non plus. Je sais même pas si ça, j'ai besoin de le relier à la station météorologique. Ça a l'air d'être le cas. En fait, c'est tous les petits points jaunes qu'on voit là. Donc si je veux que ce soit relié, au final, j'aurais peut-être dû passer de l'autre côté. Je vais m'étendre comme ça. Et je vais aller au plus loin. Je vais faire ça comme ça. On va attendre que ça se connecte. Donc là, je suis trop loin. Et je peux pas me relier à l'autre. Ok, par contre, si je viens que je me décale par ici. Là, je peux me relier à tout le monde. Par contre, je vais pas me relier deux fois au même bâtiment. Ils sont sérieux ou quoi? Je vais faire ça comme ça. Là, je serai trop loin. Hop. Je sais pas combien de cases il y a de distance. Ça a l'air de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, 12 cases. Ok. Ah bah, je vais venir là direct. Hein.
Je sais pas si je suis au max là. Là je suis au max. Là je vais en faire autant. Là ça va être un vrai bordel le truc. J'ai peut-être passé de l'autre côté d'ailleurs. Je sais pas si je peux passer d'un bâtiment à l'autre. Parce que là je serais... tous mes bâtiments seraient reliés. Mais je suis pas relié au pylône électrique qui est à côté. C'est un peu le problème. Si je me mets là je suis trop loin. Là je... c'est bon mais je suis en plein milieu de mon chemin. Là je peux peut-être me décaler ici. Là ça passe pas. Donc je vais me mettre là. C'est un vrai bordel mon machin. Là je sais pas si je suis relié au pylône électrique. Si là j'ai toute ma station qui serait full équipée. Je sais pas ce que ça a donné. Après je peux peut-être partir dans cette direction. Au pire des cas je vais essayer de filer tout droit. Comme ça je suis relié à l'hôpital. Ce qui me semblerait être une bonne chose. Et au pire des cas, je fais filer un pylône qui va à ma station principale. Et je me mets tout droit. Je pense que pour le moment, c'est pas mal. Et je vais déjà voir combien ça consomme en affectant tout ça à la cabane de forestier. Tant que je suis à côté, je peux peut-être me la clipser. Donc là, je serai au maximum. Et donc après, il faudrait que je vienne me foutre un pylône sur le côté. Comme ceci. Ah, comme ça au moins tout ça, ça va être ça va être connecté. De toute façon, ouais, ce bâtiment là j'ai pas besoin de l'alimenter puisqu'il n'y a pas le logo qui apparaît. Donc je vais remettre ma petite partie en route. Je sais pas si au niveau des colons. Ouais ça va. 153. Bon il y a un mort qui vient et un mort qui est remplacé. Donc ça va, c'est assez stable. Au niveau des outils, ça va. Je sais pas si au final j'ai ma station, un de mes ateliers qui sera amélioré, ça a pas l'air d'être le cas. Hein. Outils en métal, outils de fortune. Ouais bon j'en ai deux de chaque. Par contre toi la station de recherche, je sais pas où t'en es mais normalement t'es censé rechercher. Je vais quand même rechecker. Je sais pas s'il faut que je clique dessus. La station météo c'est... magasin de tailleur. On va commencer la recherche. Normalement c'était lancé. Donc a priori bah ouais bah j'étais j'avais peut-être pas sauvegardé. J'avais peut-être cliqué dessus mais pas sauvegardé derrière. Donc en tout cas c'est fait. Ah là c'est interrompre la recherche. Non ah, c'est pour celle-là hein, on est d'accord. Donc là c'est en train de rechercher. Et ben il n'y a plus qu'à attendre. Comme ça si ça peut améliorer mes ateliers en plus d'être connecté. Peut-être que comme ça je produirai un peu plus. Donc bah écoutez, cette fois, je vais éviter d'effacer mes fichiers et de bien upload notre petit épisode. Je m'étais arrêté ici, j'avais lancé justement la recherche. Et on devait se retrouver à ce moment-là. Donc bah écoutez, dès que c'est un petit peu avancé, on se lance. J'ai pas l'impression que là, ça... ouais, si c'est cultivé. Et j'ai même des petits cochons qui sont là dans le coin. J'aimerais bien remettre un autre pâturage à côté pour élever d'autres espèces. Je me demande si je vais peut-être pas m'arraser un petit bout de forêt et mettre ça dans le coin. Je me tâte. Et je vais peut-être me lancer. Hein. Et je vais réfléchir où poser ça et on se retrouvera pour collecter nos prochains animaux. Ok les murs, je vous reprends. Alors on peut voir aussi que la petite interface en bas elle a changé. On a notre petit cycle d'intempéries qui se situe en plein milieu. On en est à la 67e saison. La météo est moment de la journée. Nuit et pas de pluie. Parfait. Alors là le bonheur il se situe ici. Par contre il y en a... c'est pas trop ça au niveau bonheur. Faudrait peut-être que je foute des décos ou autre. Là j'ai le marché qui est toujours qui a toujours une influence positive. Par contre les autres ouais ils ont rien du tout. Donc je vais peut-être foutre un petit peu de déco histoire de les rehausser. Parce qu'au niveau du bonheur ça va. Au niveau des radiations ici ça passe encore. Et au niveau de santé bon je suis pas au max mais ça se situe bien. Je suis en cours de débris et de bois. Donc j'ai envoyé des gens collecter les outils, ça va. Vu qu'ils ont plus rien à faire avec c'est un peu normal.
Et il manque du métal justement pour faire avancer notre... Ah, je vais enlever ça. Voilà, regardez. Des débris. Du métal, j'en ai ramené deux pour le moment. Du bois, j'en ai pas du tout. Donc là, je leur ai demandé de couper que du bois. Ils sont 4, donc on arrive au max. J'ai mis un petit spot de ramasseur de bois ici. Les débris, ils sont juste là. Si j'arrive à cliquer dessus, ce serait pas mal. On va s'approcher. Donc on peut voir tous les débris qu'il y a à prendre. Il y en avait 134 tout à l'heure. Je sais pas combien il en reste. Et a priori, là, il y en aurait que 3. Il y en a que 3 qui bossent ici. Alors ça veut dire que peut-être que les autres sont au niveau du bois. Ah, ils sont 4. Donc c'est bien ça. Ils sont bien séparés, répartis dans les deux spots. Je suis repassé à 155 villageois. Il me reste 7 points de connaissance. Et donc là, relier des bâtiments au réseau électrique, pour le moment, bah, 0. Hein. Bâtiment, poteau électrique, ça c'est fait. Par contre, ouais, je suis un peu bloqué au niveau du bois et des débris. Ah, la bouffe, ça va encore. Mais pour le reste, ouais, et puis je peux pas mettre d'autres ramasseurs, quoi. J'ai pas. Je suis au max. Et là, les débris, ma zone, elle est toujours. Elle est toujours en activité. D'ailleurs, j'ai reconstruit des petites routes. Histoire que ça aille plus vite. Parce que si je viens ici, on peut voir qu'il se barre. Il se barre un peu n'importe où. Donc peut-être que comme ça, là, ce sera plus facile pour eux de suivre le chemin. Je suis venu jusqu'ici. Vu qu'ils doivent aller bosser à l'autre bout, c'est un peu compliqué. J'espère que ça va avancer. Et mon prochain potager. Je vais le mettre dans le coin là. Et je vais attendre qu'il me vire ça. Je sais pas pourquoi il y a encore le poteau là. Je vais remettre un... Voilà, ok, il va gentiment disparaître. Et je voulais remettre mon second pâturage ici. Comme ça, je pourrais peut-être élever du cochon. Donc, si je me mets là, on sera bien. Par contre, ouais, j'ai ce tas de débris, mais je suis obligé de prendre ça pour venir ici, vu que c'est trop gros. Donc, je vais juste poser le bâtiment. Et de toute façon, il ne sera pas construit, à moins que je vienne récolter... Parce que j'aurais pu le foutre là comme ça. Je sais pas, ouais, c'est du débris. Je vais peut-être leur demander de venir bosser ici. Ce sera peut-être plus rapide. Ah, je vais leur demander de venir collecter ce qu'il y a ici. Voilà, parfait. Il y aura moins de distance. Et comme ça, ils vont me déblayer la zone. Et je pourrai foutre mon pâturage de l'autre côté de la cabane de chasse. Donc, je vais peut-être accélérer d'ailleurs. Et on se retrouve dès que notre niveau de bois et de métal est bien remonté. Ok, moi en attendant que ça se fasse, je vais aller poser. Alors, j'aurais bien voulu foutre un feu de camp. Je sais pas si j'en ai déjà. Je crois que je l'ai déjà mis. Hein. Non, peut-être même pas. Mais par contre, ouais, je suis bloqué vu qu'on est en mode tutoriel, je crois encore. Et qu'il faut que justement je le termine. J'ai pas accès au feu de camp. Alors peut-être plus tard, je vais voir si dans la décoration. Ah non, je peux rien mettre. Ah ouais, ils sont relous. Vivement qu'ils me le débloquent là parce que. C'est pas terrible du tout, du tout. Ok, je vais leur mettre un petit spot de distribution de nourriture par où ils passent. Alors là, ceux qui sont ici, ils peuvent aller chercher, mais je vais en mettre au niveau des campements. Je me dis que ce serait peut-être pas mal. Vu qu'ils passent tous ici, s'ils rentrent chez eux, ils vont sûrement faire un arrêt dans le coin. Je vais leur mettre là où ça gêne moins. Au pire des cas, après, je le déplacerai. J'en ai qui sont en train de mourir. C'est génial. Je vais leur mettre 2 points ici. Ils seront bien contents. Et comme ça, ils auront peut-être un peu moins de distance et ça rehaussera un peu leur bonheur. Ok, Arthur Shewin est de retour. On a construit nos petits poteaux électriques. You ought to constantly keep an eye on your power consumption to avoid outages. Ok, fantastique, j'imagine que la vie de nos ancêtres devait être géniale, avec de l'électricité à volonté. Nous devrions surveiller constamment la consommation d'électricité afin d'éviter les coupures. Ok, y a pas de problème. Justement, on va aller voir. Logically, the solar collector is only able to produce energy during the daytime. J'en fous un du côté des habitations. We could also make electricity available at night so that our settlement remains effective. It's clear that we currently work slower at night,
Ok. Ce qui semble assez logique. Ok, Arthur Schoen nous dit logiquement le capteur solaire ne produit de l'énergie que pendant la journée. Avoir de l'énergie pendant la nuit permettrait à notre colonie de rester efficace. Pour l'heure, nous travaillons bien plus lentement la nuit, alors essayons de stocker le surplus d'énergie de la journée afin d'améliorer notre efficacité de nuit. Ce qui serait peut-être sympa aussi, c'est que je foute des... ok, faut que je fasse des batteries. Je sais pas si je peux peut-être me relier à un pôle batterie juste à côté, comme ça on est bon. Tu veux pas te relier, au pire te cache, je te mets de ce côté vu que ça a l'air de pas passer là-bas. Je peux peut-être me foutre ça dans ce sens. Derrière le centre de recherche. Après, je sais pas si j'aurais besoin de mettre autre chose. Au pire des cas, je le décale dans ce sens-là. Parce que là, malheureusement, ça peut passer ici. Mais bon, près de l'eau, c'est peut-être pas top. Et je vais le mettre dans ce sens-là. Et puis, je serai relié au chemin. Je sais pas combien je produis là. Ok, donc là ça consomme 250. Là par contre ça a pas l'air d'être relié. Je vais mettre un petit poteau ici là. Jusqu'à aller dans le coin. Je sais pas si je suis le plus loin. Au pire des cas. Alors déjà ça a changé de couleur. Faudra m'expliquer comment cela se fait. J'arrive pas à voir si je suis relié à mes poteaux électriques là. J'ai pas de poteau électrique du tout d'ailleurs. Là je suis relié. Et là je ne suis point relié. Et je peux pas me mettre en plein milieu du chemin. Alors là je serai relié partout. Au pire des cas je me cale le long de mon chemin ici. Voilà, parfait. Et normalement ça devrait aller. On va attendre qu'ils le construisent. Donc là 5000. Production d'électricité, consommateur, stockage d'électricité, coupure de courant. Ok, donc j'avais une coupure de courant, n'était peut-être pas encore relié. Pas de réseau, déconnecté et en chantier. Ok, pas de problème. Donc tous ceux qui sont grisonnants, effectivement, n'ont pas de réseau tout simplement. Et eux, c'est déconnecté. Ah, par contre, ouais, je vois pas trop pas de réseau. Pour l'instant, ils n'ont pas de réseau. Mais à déconnecter, c'est quoi? C'est ça va être tout noir ou je sais pas. Parce qu'il y a une coupure de courant, c'est comme ça. Attendez, je viens de le mettre là où... Comment ça, il y a une coupure de courant? Ah, peut-être qu'il... Ah, c'est parce qu'il pleut. Bah ouais, forcément, il y a les intempéries qui... Ah, regardez-moi ça. Forcément, c'est le bordel, il y a des nuages. Ah, il y a des nuages. Fais voir, l'humidité, c'est bon. Les radiations, on est dans le caca. D'ailleurs, je crois que j'ai réinstallé un... ouais, mon petit centre de traitement des vivres. Parce que là, c'était un petit peu la galère. Donc, espérons que ça avance assez rapidement et que la station arrive. Ouais, bah, métal, hein, pareil. Bon, la prod est en train de remonter, le bois aussi. Donc, c'est plutôt cool. Au niveau de la recherche, ça a commencé. C'est parfait, tous les composants sont là, donc on se retrouve dès que c'est quasi fini. That looks good. Some buildings are now connected to the power grid. Okay, nickel. Although a well-structured settlement that's hooked up to the power grid consumes a certain amount of resources, it is enormously effective. Oh, and just as an aside, you can have electric power poles put up on many surfaces, even on roads. Ok, donc c'est super, certains de nos bâtiments sont désormais reliés au réseau électrique. Avoir une colonie bien structurée et reliée au réseau électrique nous coûtera cher en ressources, mais nous permettra de grandement l'améliorer. D'ailleurs, les poteaux électriques peuvent être placés sur de nombreuses surfaces, même les routes. Super. With the settlement producing on a stable scale, we can now focus on exploring our surroundings. Moi, je veux améliorer leur bonheur. Ah yes, je vais pouvoir faire les expéditions enfin, avec notre super défi qu'on a loupé la dernière fois, c'est génial. Ok, maintenant que notre colonie est stable et productive, nous pouvons nous concentrer sur l'exploration du monde délabré qui nous entoure. Nous en avons tant entendu parler dans le précipice.
Nous pouvons explorer les structures de nos ancêtres à la recherche de trésors et de provisions. Construisons une station d'expédition. Ok, je vais pas forcément aller là. Je vais faire entendu. Ma petite station d'expédition. Et ça va me filer quoi là? Genre des rations d'expédition. Ok, chef. Donc on va venir plutôt dans la construction. La logistique. Non, c'est technologie. Hop là. Ah bah écoutez, j'ai pas m'enquiquiner, hein. Je vais mettre le bâtiment juste ici, derrière. Voilà, comme ça ce sera mon centre scientifique, tout ce que vous voulez. On va attendre que ça s'installe gentiment. Et puis on se retrouve dès qu'il est là. Ok, j'ai mis le jeu en pause, j'avais pas mal de monde à affecter, j'en avais une trentaine. J'ai relancé deux refuges parce que sinon ça va être la mort assurée. Pas mal de petits décès, alors je sais pas si ça a dû à la vieillesse. Donc là j'ai affecté tout le monde, j'ai mis 10 éclaireurs. Les explorateurs pour le moment je peux pas en mettre. J'ai pas accès. Donc on va voir, les explorateurs ne comptent pas parmi les effectifs se répartissant les professions. Ils peuvent être assignés et envoyés en expédition via la station d'expédition. Les explorateurs ne participent pas aux travaux dans la colonie. Ok, alors c'est peut-être différent des éclaireurs, j'ai des éclaireurs et tout. Bah écoutons, on va attendre que ça se monte et puis bah on verra bien comment ça se présente. Donc déjà, assigner des éclaireurs c'est fait, je devais en mettre 2, j'en ai mis 10. J'ai mis le max, hein, comme ça ils sont tous occupés à quelque chose. La station est toujours pas là, donc on va gentiment attendre. Je vais remettre ma partie en route. Une nouvelle technologie a été recherchée, atelier amélioré a été recherché et est désormais disponible. Écoutez, c'est magnifique, ça vient de sortir. On va aller voir ça de ce pas. Alors, je sais pas si maintenant il faut que j'aille sur mes petits bâtiments ici. Pour les améliorer, si ça a l'air. Par contre, je manque de métal. Je suppose que ouais, requiert métal. Je me tâtais justement à remettre une cabane de bûcheron dans le coin. Donc je me dis que je peux peut-être me mettre un autre... peut-être me remettre une autre casse, je sais pas du tout. Après bon, j'en ai qui ramassent des débris, mais... d'ailleurs je sais pas du tout s'ils ont encore du débris à ramasser. Bon déjà là il n'y a plus de bois, il faudrait que je les affecte ailleurs. Bon je vais m'occuper de ça et puis on se retrouve après. Ok. Assign settlers to be scouts and prepare expedition rations. When you want to send off an expedition, you can decide the quantity of expedition rations with which to supply the expedition. As a result, you can control how long and how thoroughly it is able to explore a ruin. Ok, donc bien joué, les colons assignés deviennent des éclaireurs et préparent les rations d'expédition. Pour les prochaines expéditions, lorsque vous préparez une expédition, vous pouvez décider du nombre de rations que les explorateurs prendront avec eux et donc le temps qu'ils pourront passer dans les ruines pour explorer. Ok, entendu. Let's send out a few scouts to find a ruin. J'ai mis 400. The scout will visit the ruin you have designated and explore it. As a result, the scout will supply us with important information about the site that we should pay attention to when we start an expedition. Ok, j'ai mes petits colons qui sont en train de mourir. Donc envoyons quelques éclaireurs inspecter une ruine. Ils fouilleront l'emplacement sélectionné et nous donneront des informations cruciales pour continuer à nous préparer à explorer. Mais écoutez, je crois qu'il y en a une juste à côté là. Je sais pas si... comment quoi. Ouvrir la fenêtre de l'expédition. Voilà, parfait. Bon, on va faire ça comme ça. Envoyer un éclaireur. Je sais pas du tout ce que c'est. Marqué pour récupération, non. Donc ce site est très prometteur, mais le radar ne nous montre pas tout en détail, chef. Nous devrions d'abord envoyer l'un de nos éclaireurs jeter un œil, ouais, ou un coup d'œil à cet endroit. Et lorsque nous en saurons davantage, nous pourrons lancer une expédition là-bas. Ouais, envoyer des éclaireurs. Ah bah écoutez, c'est parti, hein. Ah ouais, on voit tous les points à explorer là. Astro, je peux carrément... aller directement dessus. Nickel. On va commencer par ce qu'il y a à côté de nous. C'est-à-dire cette petite station service
En attente d'éclaireur. Ok, c'est parti. Eh ben, on va attendre gentiment. Rune découverte. Je sais pas s'ils vont y aller. Je sais pas si c'est lui là. Si, regardez, il est avec son petit sac à dos. On va le suivre. Il y a même des animaux. D'ailleurs, j'ai remis mon deuxième pâturage en place. Et qui va rentrer par ici. Ok. Now that we know what we have to wreck it with, we can put together a team in order to explore the ruin more precisely. J'ai trouvé de la Marie-Jeanne. Notre éclaireur est de retour avec de précieuses informations. Maintenant que nous en savons, maintenant que nous savons ce qui nous attend, pardon, nous pouvons préparer une équipe d'expédition pour poursuivre l'exploration. Mais écoutez, c'est bien. Each ruin has its own challenges, secrets, and valuable resources. Choose settlers who fulfill the necessary prerequisites for the respective ruin, and give them enough expedition rations to take along. In addition, don't forget to equip them with protective clothing and tools to the best of your ability before you send them off. Ok, chaque ruine comporte son lot d'obstacles, de secrets et de ressources précieuses. Choisissez des colons qui correspondent aux prérequis de la ruine sélectionnée et donnez-leur suffisamment de rations d'expédition pour qu'ils puissent la fouiller de fond en comble. De plus, n'oubliez pas de leur donner autant d'outils et d'équipements de protection que possible. Eh bien, écoutez, c'est bien. Donc, si je clique là-dessus et que je fais ça, configurer l'expédition, c'est genre, ils vont partir avec tout ça, c'est ça? Avec 12 joints, c'est ça? Modifier la fenêtre de visualisation. Ok. Attendez, les jeunes. Ils vont pas partir avec... si c'est ce que je viens... Ah, c'est peut-être ce qui a récupéré butin du lieu. Ok. Je sais pas du tout s'ils sont bien préparés, par contre. Bon, ça, c'est pour aller voir les autres. Configurer l'expédition. Ah, ok, d'accord. Je sais pas du tout. Jeune âge recommandé. Jeune adulte. Je fais comment pour savoir s'ils sont jeunes et si... non. Vous êtes sérieux ou quoi? Jeune adulte, adulte âgé, adulte très âgé. Si je tape jeune. Non. Ok, c'est quoi? C'est... ça se trouve, je peux envoyer n'importe qui là. Et ça fera l'affaire, c'est ça? Alors, bah, écoutez, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais envoyer un pêcheur. Je vais envoyer... un collecteur d'eau. Je vais envoyer Michel aussi, elle m'a l'air d'être bien jeune. On les voit avec leurs cheveux blancs, alors je vais éviter. Je vais envoyer pas Emma parce que c'est une tailleur. J'ai envoyé Kittel. Je vais envoyer Kyle, mon berger. Je vais envoyer... Je sais pas si là il est un médecin. Je vais envoyer un médecin avec eux, tiens. Et puis, on va envoyer Adam, notre petit cueilleur. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça a donné. Ok. Nickel, récompense, regardez-moi ce bonheur. The settlers you selected will relinquish their old tasks, assemble, equip themselves, and subsequently set off together on their way. Get yourself ready to make tough decisions. Ok, vous avez lancé l'expédition, sa préparation est en cours, les rations d'expédition et les ressources sont rassemblées, puis les explorateurs choisis quitteront leur travail et se retrouveront à la station d'expédition. Si le groupe est au complet, il entamera son voyage, attention. Vous aurez peut-être des choix difficiles à faire. Ok, donc il y aura des conséquences. Récompense, si tout se passe bien, je vais avoir tout ça. Eh bien, écoutez, hein, on va attendre de voir ce que ça va donner. Your expedition has finally reached its destination. Now it's all up to you. Ok. Contact them and listen to what they have to say to you. T'as fini de parler, man. Bonne nouvelle, on dirait que notre expédition est enfin arrivée à destination. C'est à vous de jouer maintenant. Contactez-les pour savoir ce qu'ils ont à vous dire. Prenez de bonnes décisions et guidez-les dans la ruine. Et je fais comment?
Donc votre expédition a atteint sa cible, supervisez l'expédition. Bon, en gros, faut que j'attende. Ah bah écoutez, on va attendre qu'ils arrivent. Je sais pas si on va les voir. Déjà, faut qu'ils viennent tous... faut qu'ils viennent tous là. Ok, j'ai remis le jeu en route. Et on va attendre de voir ce qui va se passer. Ok, là, c'est du bestiau qui se promène. Bon, tant pis si j'ai des colons qui meurent. Hein. Ok, ils sont en train de rentrer et de s'installer. On les voit, ils sont au feu de camp, là. Il faudra peut-être que je fasse un petit chemin pour qu'ils passent par ici. Logistique, on est en plein dedans. Ouais, je vais remettre un petit chemin jusqu'ici. Voilà, parfait. Si l'entrée c'est là, autant que ça se fasse correctement. Ouais, ils sont en train de construire, bim bam boum, ça y est, la route elle est là. Ok, ils sont tous prêts, j'ai accéléré pour que ça se fasse. Je vais remettre en x2, ouais, histoire de les voir avancer. Je vais fermer ça. Allez, messieurs, dames, venez donc. Ah, je vais fermer toutes les fenêtres aussi. Ok, on va les observer avec attention. J'espère que personne va mourir. Je vais accélérer un petit peu quand même. Ok, petit message radio. Inventaire. Inventaire d'expédition, butin. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Max. Prenez tout là. Je sais pas si je suis inventaire de l'expédition, butin du lieu. Ouais, bah prenez tout là. Allez, on prend tout. Inventaire de la colonie. Ok. Ouais, max. Piller et rentrer. Les sacs sont remplis et on est prêt. On se reverra à la colonie. Ok. Your decisions during an expedition are decisive for its success. Try to be as well prepared as possible and make wise decisions because the consequences could be fatal. Now let's loot this place and get out of here. Take as many resources as your settlers can carry and bring them back to your settlement. Ok, donc bien joué, les décisions que vous prenez au cours de ces expéditions sont cruciales à leur réussite. Essayez de bien vous préparer et de faire les bons choix, car les conséquences pourraient être fatales. Allez, fouillons cet endroit et partons. Prenez autant de ressources que peuvent emporter nos explorateurs et ramenez-les à notre colonie. Super. Now that you know how you can help your settlers to manage in this environment so hostile to life, I'd like to show you how you can design your settlement in such a way so that your settlers are not only able to survive in it, they're actually glad to be here as well. Ok, maintenant que vous avez appris à aider vos colons à faire face à cet environnement si hostile, j'aimerais vous montrer comment organiser votre colonie de façon à ce que vos colons puissent non seulement y survivre, mais également s'y plaire. Vos colons aspirent à vivre dans un lieu agréable. Ils préféreraient, par exemple, éviter de se trouver à côté d'un bâtiment très bruyant et salissant. Activez la carte thermique de l'attrait des logements afin de visualiser le degré de confort des logements présents dans votre colonie. Eh bien, écoutez, on fera ça une prochaine fois. D'accord. Nous, on va s'arrêter là. Et on s'occupera du bien-être de nos petits colons la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis, on se retrouvera prochainement pour améliorer notre confort en décorant les lieux et en mettant quelques petits points d'attrait dans notre petit village. Et si vous ne voulez pas louper tout cela, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce qui nous attendra sur Endzone A World Apart ainsi que les autres jeux présentés sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse, survivez bien, ciao ciao tout le monde et à la prochaine.
Mais là, je vais reboiser parce que j'ai plus du tout d'arbres. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.